Merci infiniment à Anne Goscinny et Marc Duchâtenay, ainsi qu'à tous les membres du jury. Je suis très honorée de recevoir ce prix qui porte le nom de l'immense René Goscinny. Merci Hugues Micol, qui a donné corps, folie, souffle à mes mots. Merci Sébastien Gnidig, Anne-Gaëlle Fontaine et toute l'équipe de Futuropolis pour le soutien, la confiance, la liberté. Blackout. Je ne pensais pas que ce titre illustrerait si bien notre situation. Blackout est l'histoire d'un combat contre l'invisibilité, pour le droit d'exister et de construire sa place. Nous ne sommes pas à Hollywood, nous ne sommes pas Maximus Wilde, et pourtant, ce combat est d'actualité. Je dédie ce prix à tous les auteurs et les créateurs, matière première de la chaîne de production, mais éternel angle mort. La pandémie a amplifié la fragilité de notre profession, comme tant d'autres. Mais pour les auteurs et les créateurs, il n'existe pas de parachute. Monsieur le Président, Madame la Ministre, il est temps d'agir en créant un statut et des conditions décentes de travail pour défendre notre profession. Auteur, essentiel.